Andréane Marquis. Aujourd'hui, on rencontre Rémi-Pierre Paquin dans son appartement sur son divan pour une entrevue en mou. Mais tout d'abord, nous sommes dans le nouveau projet de Sébastien Benoît, le Edgar Café. Seb, je peux t'appeler Seb, Seb? Seb Andréane. Sébastien. Ah, c'est correct, Seb, c'est correct, Andréane. OK. Seb, t'es animateur télé, t'es animateur de jeux télévisés, de quiz télévisés, t'es animateur d'un enfant qui s'appelle Laurent. C'est vrai. T'es animateur, t'as été animateur de 14 adolescents célibataires déchaînés. Puis, pourquoi un café? Ça s'est venu de où? Dans la tête de mon ami Jean-Michel Dufault, de mon ami aussi Benoît Roberge. Qui sont copropriétaires avec toi. Exactement. C'est bon que tu précises. C'était l'idée d'avoir quelque chose ensemble, un trip ensemble. Puis sincèrement, c'est pas comme ça que je vais gagner ma vie. Mais t'es-tu un amateur de café à la base? Ou... Depuis que j'ai mon fils Laurent qui fait difficilement ses nuits, j'adore le café. T'es-tu plus un boost, ça, allongé ou expresso? Ça dépend avec qui je peux m'allonger. Oublie pas d'aller payer ton bill avant de sortir. Tout d'abord, Rémi-Pierre, merci de nous accueillir chez vous. Ça fait plaisir. Dans ton divan, en mou. En mou, ben oui, tu m'as dit d'être en mou. C'est ton vrai mou? C'est un mou de télé. Rémi-Pierre, tu es chanteur et guitariste pour le groupe Balboa. C'est venu de où, ça, cette passion-là pour la musique? Ben, au secondaire, je me suis acheté une guitare. Mais en fait, mon frère avait une disco mobile dans le temps. J'ai écouté ton l'album que vous avez sorti, quelques extraits. Moi, je m'attendais à ce que tu sois rock, là. Bien, vraiment rock. À cause de rock'n'roll. Ouais, c'est ça. Tu es le futur, ben t'es propriétaire d'un pub irlandais. Ouais, ben là, c'est sûr. Le trèfle qui va ouvrir printemps. Au printemps, là, je suis propriétaire de pas grand chose. Pourquoi le pub irlandais? Parce que ça a l'air qu'avoir un café, c'est pas payant. Non, ça c'est clair, Sébastien Benoît. L'irlandais, c'est qu'il va y avoir beaucoup de scotch et beaucoup de bière. On va se faire des farfadets. Vous êtes plus du genre boisson chaude? Rejoignez Sébastien Benoît au Edgar Café sur l'avenue Mont-Royal ou encore écoutez-le à tous les midis sur les ondes de Rythme FM 105.7 accompagné de Mitsou. Par contre, si vous êtes plus bière et scotch comme Rémi-Pierre Paquin, sa taverne irlandaise, le Trèfle, ouvrira ce printemps dans le quartier Hochelaga-Maisonneuve ou, si vous n'avez pas l'âge de voir, il est sur les ondes de Télé-Québec à Subito Texto. C'était Andréane Marquis. Merci beaucoup et bonne journée.